Salut tout le monde, c'est Dimno pour l'épisode numéro 54. Alors c'est un épisode un peu spécial, je vais pas faire grand chose dans cet épisode, simplement vous ne remarquez rien. Pas de changement. Donc avant tout je vais vous expliquer un petit peu la situation. Je travaille actuellement donc j'aurai pas trop le temps ce mois-ci de faire des vidéos. Mais. Alors, vous voyez pas de différence? Bah, il n'y en a pas vraiment. Simplement, j'ai un serveur maintenant, donc ma carte, la map est en ligne, et vous pouvez vous connecter dessus et la visiter. Alors là, je vais vous montrer, je suis un simple visiteur pour le moment, donc je ne peux absolument rien faire. Normalement, vous ne pourrez rien casser, rien briser, vous vous doutez bien que si je laisse la map accessible à tout le monde, je ne peux pas vous laisser tous les droits, sinon ça va très très vite dégénérer. Je vais me retrouver avec plein de petits haineux qui vont venir tout détruire dans ma base et j'ai vraiment pas envie de ça. Encore que je pourrais faire des sauvegardes et de toute façon, ça ne changerait rien si je reprends à chaque fois la sauvegarde précédente. Mais bon, voilà. Donc là, pour le moment, vous pouvez absolument rien faire. Je vais essayer de vous donner quand même quelques petits droits supplémentaires au fur et à mesure. Vous voyez, vous pouvez même pas ouvrir la porte. Mais, si vous avez suivi ma série, vous savez qu'il y a un petit passage ici derrière qui vous permettra de visiter la map. Tiens, je me demande même si vous pouvez prendre le portail du Nether. Ouais, ça visiblement, vous pouvez. Alors voilà, je me suis dit qu'en attendant, étant donné que je pouvais pas faire beaucoup d'épisodes, je sais pas si je n'en ferai pas du tout durant ce mois ou si j'arriverai quand même à en faire un ou deux. Mais en tout cas, voilà, je voulais pas vous laisser sans rien. Donc vous pouvez tout de même visiter la map en attendant les épisodes suivants. Alors je vais vous montrer le petit passage secret entre guillemets vu que comme je vous dis si vous avez suivi ma série vous le savez j'ai un petit passage ici derrière les fours qui permet de sortir. Alors ça va être l'occasion aussi de voir si les mobs peuvent vous attaquer. Je ne pense pas. On va voir. Toum, 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 toum. Alors là, on a l'affreuse ferme à or. Alors là aussi, si vous voulez, voilà, m'aider à récolter un petit peu d'or, ben vous pouvez tout simplement attendre ici. Et, oula, il y a beaucoup de pigments, non? Et ça me fera de l'or, je pense, j'espère. Il manquerait plus que. Alors vous voyez, même les creepers ne vous remarqueront pas, c'est comme si vous étiez en spectateur. Bon, comme je vous dis, je vais faire évoluer un petit peu ça pour que vous puissiez quand même faire 2-3 choses. Il se pourrait même que je fasse une map ressources en fait, pour que vous puissiez m'aider à récolter les ressources. Vu que je manque de temps, bah voilà, si vous voulez m'aider. Enfin bon, tout ça c'est des projets. On verra par la suite. Donc voilà, c'est pas vraiment un épisode, mais bon, je me suis dit que ce serait intéressant de le mettre dans la série. Ça va vous permettre de visiter, vous voyez, visiblement même le bouton, vous ne pouvez pas cliquer dessus non plus. Donc voilà, je peux pas ouvrir les portes non plus. Ok. Bon ben voilà, je suis désolé de vous montrer la map de cette manière, que vous ne puissiez rien faire dessus, mais j'ai pas non plus beaucoup de temps de configurer les permissions. Je le ferai petit à petit. Donc revenez régulièrement, vous verrez, vous aurez peut-être plus de droits la prochaine fois que vous vous reconnectez sur le serveur. Alors je vais vous donner l'adresse du serveur. Pour ce faire, je vais quitter. On se déconnecte. Et vous voyez, mon serveur est ici. Donc le nom du serveur, vous pouvez le donner ce que vous voulez, mais l'adresse c'est dimno.omgcraft.fr 2.12765. Donc vous faites ajouter un nouveau serveur, vous tapez ce que vous venez de voir, et alors il n'y a que 4 places aussi dessus. Ouais, bon ben voilà, c'est pas fait pour être un serveur multijoueur, c'est simplement pour vous permettre de visiter un petit peu la map et de voir ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc on va se reconnecter. Il se pourrait que j'augmente les capacités du serveur par la suite, bien sûr. Surtout si je crée une map ressources, etc. Voire que je crée une map sur laquelle mes abonnés ou n'importe qui pourraient venir construire. Ça se pourrait, tout ça par la suite. Mais voilà, pour le moment c'est ça. Comme je vous dis, avec le taf et les études, j'ai pas beaucoup de temps de m'occuper de faire des épisodes ni de m'occuper du serveur. Donc pour le moment ce sera ça, mais par la suite ça va évoluer. Alors je vais aller voir un petit peu si tout fonctionne toujours en mode serveur. Mais je pense que oui, il n'y a pas de raison.
Alors je me demande si vous pouvez. Non, vous pouvez même pas vous tuer, donc c'est bien. Par contre, essayez de pas rester bloqué à un endroit ou à un autre, parce que. Et par exemple ici, si j'étais tombé de l'autre côté, étant donné que vous pouvez pas casser le moindre bloc. Donc voilà, vous pouvez venir ici, attendre un petit peu, regarder comment ça fonctionne. Je ferai en sorte que vous ayez un peu plus de droits pour quand même pouvoir tester 2-3 trucs, que j'aurai appuyé sur les boutons. Bon, on verra. On verra tout ça. Donc voilà, encore une fois, désolé de ne pas pouvoir sortir trop d'épisodes en ce moment. C'est pas de ma faute, c'est pas que je ne le veux pas, mais bon, il y a besoin de sous, il y a besoin d'argent, donc voilà. Donc j'espère que ça vous plaira quand même de pouvoir visiter un peu tout ce que j'ai fait, plutôt que de regarder ça en vidéo. Alors, si vous voulez le pack de textures, c'est Redcraft, il est en commentaire dans tous mes vidéos. Comme ça, si vous voulez que ça ressemble à ce que je vois, à ce que je vous montre dans les vidéos, vous pouvez aussi ajouter le pack de textures. Donc voilà, c'est déjà tout pour ce court épisode qui simplement vous prévient que ben voilà, maintenant la map est online. Je sais pas encore si les prochains épisodes que je vais tourner, je les tournerai directement sur le serveur ou si je vais continuer à le faire en local et à updater la map sur le serveur par la suite. Comme je vous dis, bon, pour le moment, je fais avec le temps que j'ai et j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, merci à vous encore une fois d'avoir suivi cet épisode. J'espère que malgré le fait qu'il était très court, ça vous a plu, ça vous a intéressé, et j'espère qu'on se retrouvera bientôt sur le serveur. À plus!